Ici? Ouais, c'est là. Ok, je crois que je vais laisser Émilie travailler sur son projet solo et créer ses ambiances au piano comme elle l'entend. Souvent, c'est le piano qui me montre la voie. Vraiment, je me mets au piano, puis je sens qu'il y a des choses qui viennent, et puis je creuse. C'est comme un chemin qui se prépare, puis la voix vient. Finalement, les textes viennent souvent après. Par contre, j'ai le message. Je sais, intuitivement, je sais, voilà, ça va parler de ça. C'est ce message-là, c'est cette ambiance-là. Alias Sorcière Blanche, joue du piano depuis toute petite. Après des années de conservatoire et quelques expériences au sein de divers groupes, elle développe son propre projet musical. L'artiste crée un univers poétique aux accents jazz, sans oublier une touche tribale qui fait son originalité. Elle chante la révolution, la vie, l'amour, les voyages, convoque les éléments naturels indispensables à son équilibre personnel. Un équilibre en perpétuelle mutation qu'elle cherche seule en femme orchestre des temps modernes. Alors pour le fait d'être seule sur scène, c'est beaucoup de plaisir. Je sentais que c'était une nécessité maintenant. Ça fait un peu plus d'une année où j'ai fait quelques concerts avec un batteur. Et lui-même m'a beaucoup encouragé aussi à essayer seule. Et puis là, je suis vraiment en phase d'exploration. Je m'immerge pleinement, voilà, dans les sons, la musique, la voix, les rythmes. Et j'aime plutôt ça, d'être seule. Je fais des rythmes avec ma pédale looper, je m'amuse bien, j'aime bien. Et puis sinon, j'utilise aussi un peu les percussions, les tambours, parce que j'aime bien ces sons un petit peu très vibrants, comme ça, qui ramènent un peu à la terre, même un peu souterrain. Les vibrations, puis un petit peu de guitare. Juste une corde. Voilà. Je trouve que l'anglais colle bien à ce que j'ai envie de dire, en fait. Et puis j'ai un peu une distance, comme c'est pas ma langue, ça met un petit peu à distance. J'ai l'impression que le message, il est des fois plus... c'est moins affectif, en fait. Puis le message, il est plus clair. Et j'ai vu que toutes les compos qui sont en français, c'est tout de suite peut-être plus... quand même, on va plus dans quelque chose de profond, aussi peut-être d'engagé. C'est très voilà, collé à moi, quoi, quand je chante en français. Sorcière Blanche est en concert au Théâtre du Dé à Eviona les 23 et 24 novembre prochains.